Connaître les appellations anatomiques et les dénominations commerciales, capacité à atteindre. Citer les appellations anatomiques des principaux muscles squelettiques utilisés pour définir les limites des coupes. Localiser et identifier chaque muscle ou groupe de muscles sur une carcasse de bovin adulte. Mettre en relation les noms anatomiques des principaux muscles constituant une carcasse et les dénominations commerciales. L'AVT 5, le collier. Le collier est composé de deux veines, la veine grasse et la veine maigre. La veine maigre, le grand complexus, le long épineux, le splénux, le rhomboïde, le brachiocéphalique. Au niveau de la griffe, le trapèze cervical, la noix, l'extrémité antérieure du long dorsal. La salière, le grand oblique de la tête situé sous la vertèbre cervicale, l'atlas. La veine grasse, le scalène, le brachiocéphalique, l'homotrachylien. Il faut savoir que le muscle scalène permet de réaliser la séparation du collier et du plate-côte découvert et la levée de l'épaule. Le filet mignon, une partie de la chaînette, la partie cervicale du muscle le long du cou. La saignée, le sternocéphalique. La basse-côte. La basse-côte, le long costal, le splénux, le rhomboïde, le grand complexus, les multifides dorso-lombaires, la face interne, la noix d'entrecôte, le long dorsal en partie, la face externe, le premier talon, le trapèze en partie. Vous pouvez aussi actuellement entendre le nom de l'arrière de Paleron. Le filet mignon, la chaînette, la partie dorsale du muscle du long du cou. Le persillé, c'est le dentelé du cou. L'épaule. Le jarret. En 13, vous avez l'extenseur antérieur du métacarpe. En 14, l'extenseur antérieur des phalanges. En 15, l'extenseur latéral des phalanges. En 16, le fléchisseur externe du métacarpe. En 17, le muscle de l'olécrane. Le jumeau à pot-au-feu. En 8, c'est le long fléchisseur ou le biceps brachial et le caraco brachial. Le jumeau à biftec. En 3, le su-épineux. La macreuse à pot-au-feu. En 7, le court fléchisseur. En 6, les enconées internes et externes, et en 1, le deltoïde. La macreuse à biftec. En 4, le grand enconé, l'accessoire du gros enconé. Le paleron. En 2, le sous-épineux, le petit rond. La face interne de l'épaule. Vous avez en 12 les enconées internes pour le jumeau à pot-au-feu. La macreuse à biftec, en 4, le grand enconé. En 5, l'accessoire du grand enconé. Le jarret, vous avez le 18, le grand palmaire. Le jumeau à pot-au-feu, le 8, le long fléchisseur ou le biceps brachial. En 11, le caraco brachial. Le jumeau à biftec, en 3, le su-épineux. Le dessus de palette, en 9, la surprise, le sous-scapulaire. En 10, le merlan d'épaule, le grand rond. Le caparaçon. Le milieu de caparaçon. Le plat de côte couvert. Le grand dorsal. Les intercostaux.
L'oblique externe et interne, l'oblique interne étant la fosse hampe, le panicule charnu de l'épaule. La hampe, c'est le diaphragme, l'onglet, le pilier du diaphragme, l'avant-caparaçon, le gros bout de poitrine, le pectoral descendant, le scapulaire, le droit du thorax, le plat de côte découvert, le dentelé du cou, les intercostaux internes et externes, le moucheron ou le mousseux, en partie le pectoral transverse, le bateau en partie le pectoral ascendant. Le BCU, la boule cuisse, la face interne. Le dessus de tranche en 3, le droit interne. La tranche en retire en 4, le demi-membraneux en 5, l'adducteur de la cuisse en table de tranche à retire. On peut aussi voir le nom de rond de tranche. La poire en 6, le pectiné, le merlan en 7, le couturier, l'araignée en 9, l'obturateur interne, la fausse araignée en 8, l'obturateur externe, le mouvant en 12, le vaste interne et intermédiaire. Le rond de gîte en 1, le demi-tendineux, le gîtenois en 2, le long vaste en partie, le nerveux de gîte en 19, le gastrocnémien, le jarret en 15, le tibial antérieur, en 18, l'extenseur latéral des phalanges, en 4, le demi-membraneux, le plat de tranche en 10, le vaste interne, le rond de tranche en haut. En 11, le droit antérieur. L'aloyau, milieu de train de côte. Vous avez la hanche, le déhanché, le milieu de train de côte, l'arrière du caparaçon. La hanche. Elle est composée du cœur de ramsteck, grand fessier, du filet de ramsteck, le fessier moyen, de la langue de chat, le fessier profond, l'aiguillette baronne, le tenseur du fascia lata, l'aiguillette de ramsteck, le long vaste en partie. Le déhanché est composé du faux filet, le long costal, les intercostaux et les multifides dorsolombaires, la noix, le long dorsal en partie. Et vous avez aussi le filet, la tête de filet, le psoas iliaque et le filet, le grand et le petit psoas, le carré des lombes. Le milieu de train de côte. Vous avez le trapèze, le long épineux, le long dorsal, le grand dorsal, le long costal, les intercostaux internes et externes, le sucostaux, l'arrière du caparaçon. Vous avez la bavette d'aloyau, le transverse de l'abdomen, la bavette de flancher, le droit de l'abdomen en partie, la bavette à pot-au-feu, l'oblique externe.